L'eau est de retour dans les robinets des clients de la Sodeci dans la commune de Yopougon. Les quartiers comme la Cité Verte, Académie Caféier, Nyangon-Lokois, Maroc-Saint-Pierre-Marie et Port-Bouideux, les habitants sont tout heureux de voir l'eau sortir des robinets. Tout comme dans cette cité caféier de Nyangon Académie où le père de famille nous a ouvert les portes de sa maison pour constater réellement l'arrivée de l'eau. Ouais, bon, ça fait 3 jours environ, hein. Que nous avons eu des difficultés d'eau, mais vers les 4 heures du matin, on a souvent un peu, ça vient un peu, à un moment donné, ça s'arrête, jusqu'à durant les 3e jour, 4e jour, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la pression est bonne, très bonne. Okay. Aujourd'hui, mardi 29, le loup est revenu, donc c'est la joie totale, c'est pour cela qu'on a nettoyé nos maisons, tout ça là. Congo Prévost, directeur général de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, en compagnie de ses techniciens, était sur le terrain pour faire le constat. Depuis 4 heures, nous avons fait la mise en eau de la conduite et donc les quartiers ont commencé à recevoir de l'eau. Nous-mêmes, avec toutes les équipes, nous sommes sur le terrain pour nous assurer effectivement que l'eau est présente dans les quartiers. Tous les quartiers en périphérique sont en train d'avoir de l'eau. Et il y a une montée progressive de la pression, nous avons constaté la pression. Et d'ici jusqu'à demain, nous avions donné 6 jours pour terminer les travaux. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour. Nous avons constaté que l'eau est en train d'arriver dans les quartiers. Donc d'ici demain matin, la situation sera rétablie à la normale. Rappelons que les habitants de la commune de Yopougon étaient privés d'eau depuis le 25 mai dernier, date à laquelle un incident était survenu.